Rends-lui l'élévation. Hey! Celui qui est venu mourir pour nous, il nous a donné la vie. Hey! Si nous sommes en vie ce matin, hey! Ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, hey! Mais plutôt c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Hey! Adore-le. Hey! Adore-le, adore-le depuis ton cœur, adore-le depuis ton âme. Vois les grandes choses qu'il a faites pour toi dans ta vie. Durant un parcours d'une année, oh, amen, c'est la grâce pour nous. Rends-lui remerciement pour son action de sacrifice. Rends-lui remerciement pour son action de sacrifice. Adore-le, adore-le, adore-le. Il est assis à droite dans le Dieu. Il reçoit vos remerciements. Nous avons prié au nom de Jésus. Veillons nous s'asseoir. À cause du sang. Nous tous nous avons la vie. Depuis la fête de la Pâque passée jusqu'à présent, ça fait un an. Des débauches nous avons commis en ta présence. Entre dans ton cœur et sonde tes péchés, tes fautes. Les péchés cachés que nul ne connaît pour toi. Ce matin, il est prêt à tout enlever. Eh bien, demande-lui pardon. Il nous purifie dans ce temple. Il enlève les offenses. Il enlève l'iniquité. Et le sang jaillit. Le sang jaillit. Que le sang jaillisse. Le sang de Jésus nous lave. Veillons nous lever. Ta présence, j'ai besoin.
J'ai besoin de toi. Il demande l'Esprit Saint dans le temple. La puissance de Dieu. Qui est le Saint-Esprit. La puissance des croyants. Descende au milieu de nous ce matin. Invite-la, invite-la. Que chacun prie en invitant le Saint-Esprit. Que sa puissance descende. Que sa puissance descende. Que le feu descende. Le feu de l'Esprit Saint qui descend dans le temple. La puissance de Dieu qu'elle vienne. La puissance de Dieu qui accomplit les signes et miracles. Que le Saint-Esprit descend. Invite-le. Prie maintenant. Toute puissance qui se lèverait contre l'adoration de ce matin. Les puissances qui sauront que nous sommes dans la fête. Elles vont vouloir se lever contre cette adoration. Que Dieu détruise la réunion. Le feu dans la contrée. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Touchant d'esprit. Les esprits de l'air. Les esprits de paix. Les puissances de persécution. Les puissances contestatrices. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Les émissaires, les envoyés. Qui serait tout près de nous. Qui serait dans la chapelle. Le feu. 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 Mandabaya. Rakata bondarabaya. Bokotolo boshekata. Emaporiandarabazayaka. Oh Jesus. Orobashindarabaya. Yakata miyabomyanani. Veillons nous asseoir. Oh, mandala babo kataya. Oh, katsa brandarabaya. Je demande à présent l'onction pour l'homme de Dieu. Que l'Éternel l'éloigne. Lorsqu'il va venir ce matin, les puissances qui vont se lever, que Dieu les détruise. Mandala bayaka. Kondarabashindaya. Nye dogbeda le yesu ben kome. Nous avons prié au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, nous te remercions ce matin. C'est toi qui nous as offert l'agneau afin que nous soyons vivants. Et si nous avons la vie aujourd'hui, c'est à cause de ta grâce. Pour cela, merci à toi. Tel que tu l'as entamé depuis hier, nous te confions encore l'adoration de ce matin. Et les démons qui se sont soulevés, nous dispersons leur réunion. Jésus, si en vérité tu es mort et tu es ressuscité, jusqu'à ce que ton serviteur ne dépose la parole, le micro, que la vie intègre les sujets morts. Le programme sur lequel nous allons marcher ce matin, que l'esprit de vie agisse au milieu de nous. Et que nous répartions avec victoire. Et quand on va nous interroger, nous dirons que Jésus est l'auteur. Merci à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a quelqu'un encore qui demeure dans la tombe. Quelqu'un demeure encore dans les liens quelconques. Hallelujah. Amen. Il y a une gloire qui est resplendie sur nous ici. La gloire a tout vaincu.
Et donc ce matin, nous sommes là rien que la réjouissance nous en trouve. Oublie les épreuves, les persécutions que tu traverses. Après les avoir oubliées, elles partiront automatiquement. Amen. Réponds Amen. Nous allons évoluer avec la louange. Réjouis-toi à l'égard du roi des rois. Élève hautement son nom. Même si tu es paralytique et tu es dans ton fauteuil roulant, essaie de louer Dieu. Amen. Dans la foi, sa résurrection entrera dans tes pieds. Et toi aussi, tu vas sautiller pour l'adorer. Amen. Déclare Amen. Que les chants nous conduisent. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ah, pour ta couvrir ma parole. Yes, now applaudé. Yes, now de papa. Amen. Yes, now tu doudou. Amen. Tiens, pour ta couvrir. Hallelujah. Amen. Ah, on y a papa le terre. Praise the Lord. Hallelujah. Yeshua Duji, Yeshua Duji, oh Yeshua Duji, Nami Leka. Yes,
Hallelujah!
Jesus Christ,
Hallelujah!
Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Prends-le. Alléluia. Prends-le. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Jifo Yirao. Bébé Jifo Yirao. Bébé Jifo Yirao. Le ciel te bénit. Bébé Jifo Yirao. Le ciel te bénit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maoudé Yiramade. Dieu bénit quelqu'un. Amen. Ah, ne bien pas si que la Jésus n'a pas eu. Alors, si tu veux acclamer Jésus, fais-le. Amen. Amen. Comment? Alors, en ce moment, nous allons donc adorer le roi des rois. Et nous allons lui remercier pour ses bienfaits. Et puis, l'année 2023. Et cette œuvre de salut que le Seigneur a accomplie pour nous. Et aujourd'hui, tu vis et tu célèbres cette fête. Je vis, je célèbre cette fête. Nous vivons et nous célébrons tous cette fête. Nous allons donc lui dire merci. Le frère Dada Elom. Jésus nous a donné la liberté. Il a permis que nous nous réjouissons de nos corps. Et il faut maintenant que nos âmes l'adorent. Pour cela, nous allons tous nous lever. Et nous allons lui rendre l'adoration dont il en est digne. Que dirais-je? À mon Dieu. Je ne peux que lui dire. Oh, ah, Jesus. Infiniment. Ah.
Jesus.
Barobo surobo yanda. Kamba yanda la. Brande karababo sheda yaka. Yeah. La la la. Oh 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 oh. Alléluia, Navia Villa. Navia Villa. Mon peuple, tu ya ira onam. Mon peuple béni, tu corps onam. Peuple précieux à moi, tu yo me plekleni vous quasi. Peuple racheté par mon sang précieux. Bara le ndia. Ce matin, nyame nous veve. Ma grâce, nyelolon. Mon amour. Ma gloire sont immenses pour vous ce matin. Sont immenses pour vous ce matin. Car vous avez reconnu l'œuvre de salut. Vous avez reconnu l'œuvre de vie éternelle. Vous avez reconnu l'œuvre de victoire que j'ai accomplie dans votre vie. Mes enfants, soyez bénis ce matin. À vous la bénédiction ce matin. Bénédiction à vous ce matin. Car il y a plusieurs de vous qui n'ont pas reconnu cette œuvre de grâce. Ils n'ont pas reconnu cette œuvre salvatrice que je leur ai accomplie. Mais ce matin, vous êtes reconnaissant. Vous êtes reconnaissant. Et donc ce matin, recevez ma gloire. Recevez ma gloire. Recevez ma gloire. Ce matin, que les sujets morts reprennent vie. Que les sujets morts soient vivifiés. Que la vie intègre les sujets morts. Ceux qui ont complètement perdu espoir. Recevez de nouvelles espérances ce matin. Recevez la possibilité de faire sa vie. Car je suis mort. Mais je suis en vie. Mais je suis en vie. Pour donner vie aux choses mortes. Pour donner espoir aux désespérés. Pour donner victoire aux échoués. Pour donner grâce aux déshonorés. Pour donner bénédiction aux pauvres. Mes enfants. Ce matin, ma puissance se manifeste. Ce matin, il y a quelqu'un dans la foule.
qui m'est cher. J'ai un projet pour lui. C'est un instrument précieux à moi. Mais ce matin, les ennemis ont prévu ôter sa vie. Les ennemis ont prévu ôter sa vie. Mais ce matin, la gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Elle est ensemble. Elle se manifeste. Elle est ensemble. Elle se manifeste. Elle est ensemble. Elle se manifeste. Ceux qui sont en moi, ils veulent les éteindre. Ils ont menti. Ils ne peuvent pas vous éteindre. Sortez de leurs mains. Sortez de leurs mains. Soyez libérés de leurs mains. Ma gloire. Elle est déjà. Agis. Elle est déjà. Elle descend. Elle est déjà. Elle descend. Barangia. Ce matin, mes vagues là, mes nouvelles pépères. Je suis là avec une grâce abondante, une onction abondante, une gloire abondante. Beba kore miadu. Pour antéverser sur vous. Pour antéverser sur vous. Pour antéverser sur vous. Qui amène à nyebe. Afin que le monde sache. Que je suis vivant. Que je suis vivant. Que je suis vivant. Quand tu coques là. Reçois cette gloire. 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 Quand tu coques. Reçois cette gloire. Bada. Voici. Il y a quelqu'un parmi vous. Je vais l'utiliser. Je l'utiliserai sans réserve. Je vais l'utiliser inhabituellement. Je vais l'utiliser inhabituellement. Car il était un instrument de Dieu. Je vais l'utiliser. Il est maintenant mon instrument précieux. Il est mon instrument précieux. Il est mon instrument précieux. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. La gloire est là. Elle est ensemble. Elle agit. Elle est ensemble. Elle se manifeste. Elle est ensemble. Elle est en action. 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 Ce matin. La gloire est là. Elle est d'ailleurs. Elle guérit. 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 Nous tu conquérir. La gloire. Nous tu conquérir. Cette gloire. Nous tu conquérir. Cette gloire. Aïe de nos qui vient. Qui s'est manifesté. Le blême. Au passé. Le blême. Dans le 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 passé. Vous dites. C'est cette matière. Elle est ça. Elle se manifeste. Elle est ça. Elle est en action. Elle est ça. Elle est en action. Elle est ça. Elle est en action. Recevez votre bénédiction. Recevez votre bénédiction. Recevez vos miracles. Les choses que vous voulez. Et vous êtes à mes pieds. La gloire est là. Elle apporte la restauration. Elle apporte le changement. Elle apporte la victoire. Elle combat. Elle combat. Elle combat. Elle combat. Elle combat. Elle combat. Mes enfants. Levez-vous en ces derniers jours. Je me suis levé en ces derniers jours. Afin de me manifester sans réserve. Pour manifester ma puissance sans réserve. Car le monde pense que moi l'Éternel je ne suis pas puissant. Le monde pense que moi l'Éternel je ne suis pas puissant. Mais regardez, je suis puissant. J'ai le pouvoir. J'agis en mon temps. Leur actionner pour moi. De manifester ma puissance. De manifester ma gloire. De manifester mon esprit. Manifester mon autorité. Au travers de vous. C'est au travers de vous. C'est au travers de vous. Pour recevoir cette gloire. Êtes-vous prêts? Que cette puissance vienne sur vous. Tout de suite. Nous savons. La puissance est là. Nous savons. La puissance est là. Elle agit. Mi quoi? Recevez-la. Mi quoi? Recevez-la. Mi quoi?
Recevez là. Mes élus. Mes hommes. Il y a plusieurs âmes restantes. Et sur le chemin de l'enfant. Sur le chemin de l'amour. Sur le chemin de la perdition. C'est vous que je vais utiliser. C'est vous que j'utiliserai. Pour sauver ces âmes. Pour me sauver ces âmes. Dans vos localités, dans vos villages, dans vos maisons, le fille mito, où vous êtes, c'est vous je vais utiliser. Recevez ce pouvoir ce matin. 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 Mon élu. Mon œil. Celui que j'ai choisi. Et je t'utilise. Ce matin, ma gloire est descendue. Elle est descendue. Reçois cette gloire ce matin. Si cette gloire te visite maintenant. Qu'elle te visite maintenant. Qu'elle te visite maintenant. Car tu mets une personne chère. Tu mets une personne spéciale. C'est par toi que je passerai. Pour conduire mon peuple sur les chemins anciens. Sur les sentiers anciens. Les sentiers anciens. Que mon peuple a quitté. Que mon peuple a quitté. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu parmi la foule. Je t'ai choisi. Je t'ai saisi par la main. Pour passer par toi. Et conduire mon peuple. Sur les anciens sentiers. Ce matin. Es-tu prêt? Afin que je passe par toi. Es-tu prêt? Que je puisse t'utiliser. Es-tu prêt? Que je t'utilise. Si tu es prêt. Reçois la grâce ce matin. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'onction ce matin. Que cet esprit se repose sur toi ce matin. Avec cette puissance, tu puisses rétablir mon peuple. Tu puisses relever mon église. L'église que j'ai rachetée de mon sang précieux. L'assemblée pour laquelle j'ai souffert. Je fus flagellé. Je fus percé par le coup. La couronne d'épines m'a été portée. Et finalement, j'ai rendu mon souffle de vie afin de sauver des âmes pour moi. Voici. L'assemblée est complètement détruite. Mon église est détruite. Et voici. Si ce n'est la grâce, le sang que j'ai versé serait vain. Serait vain. Mais voici. Lorsque j'ai promené le regard, mes yeux se sont posés sur toi. Mes yeux t'ont vu. Parmi les gens, je t'ai choisi. Afin de passer par toi. Pour affermir mon église. Pour affermir mon peuple. Mon Noël. Tu as de travail dur. Tu as un travail dur à faire. Tu as de travaux difficiles. Reçois le saignement des reins.
Sois saint par les reins ce matin. Afin que par cette ceinture, tu puisses tenir ferme. Tu puisses tenir inébranlable. Car ce ne serait pas facile pour toi. Ce ne serait pas aisé. Mais c'est toi je vais utiliser. C'est par toi je passerai. C'est par toi je passerai. Car j'ai vu en toi la vérité. Mais quoi nous croire les mêmes? J'ai vu en toi la vérité. Et yata. Pour cela. Mais les dieux togé. Je vais passer par toi. Ta Seigneur de bé. Alors écoute très bien. N'yate pas il me quoi les mêmes là? La vérité que j'ai vu en toi. Mais gabou les mêmes. Qu'elle ne disparaît jamais de toi. Mais gabou les mêmes. Ne la perds pas. Mais gabou les mêmes. Ne la perds pas. Fille ou hier les bé. Là où besoin. Na ton n'yate pas les là. De dire la vérité. Goula n'yate pas à fier. Dis la vérité. Goula n'yate pas à fier. Dis la vérité. Goula nous la n'yate pas à dire. Révèle la vérité. Bena amona kbo. Afin que les gens voient Jésus et qu'ils reconnaissent. Agne nuée de bena. Sache que. Et y a là. Ceci. N'yate pas ouni. C'est la vérité. N'yate pas ouni. C'est la vérité. Ndia. Ce matin. Reçois une nouvelle onction. Reçois la grâce ce matin. Mes enfants, ce matin, ma gloire est abondante pour vous. Ma gloire est abondante pour vous. Ma paix soit avec vous. Que ma paix. Adorable Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour le rachat. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que nous sommes ressuscités. Oh, nous qui sommes morts, nous sommes rendus vivants. On a mis à par ta grâce. Toi, mais nous veux la main. Et aujourd'hui, Seigneur, nous célébrons cette grâce. Merci, Seigneur. Nous savons que jusqu'à la fin, nous serons comblés. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maune yirao. Que Dieu te bénisse. Nous allons apporter les dîmes, les offrandes et les sacrifices. Les corbeilles nous seront installées. Les corbeilles qui sont au milieu du temple. Vous qui avez ces troncs devant vous viendrez offrir dans ces troncs. Et vous qui êtes donc dans la première moitié viendrez offrir dans les troncs qui sont devant. Et vous qui êtes sous les tentes à bâches, vous allez offrir dans les troncs qui seront devant vous. Amen. Amen. Les chantres vont nous diriger. Alléluia. Mère Koukoumia, nous titrons, nous miachons, nous abakbidavons, sauva. Boubouana, mawa levi. Lady Bobo Bubu Wana Mawupa Levi Lady Bobo Yeah.
Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Un papa souhaite qu'on remercie le Seigneur en sa faveur. Des épreuves il a traversées, des persécutions des ennemis il a connues. Il a été opéré des yeux. Le Seigneur a levé sa main dans sa vie favorablement. Et il souhaite à ce qu'on lui dise merci ou on dise merci au Seigneur en sa faveur, afin que le restant des combats dans sa vie, le Seigneur puisse s'en occuper et que gloire soit à son nom. Amen. Amen. Il de coucou le dit Wanwa Sidoni, Wanwa Sidoni, ou le Edim le secrétariat. Amen. Amen. Que ma mia de coucouna, miabe, amfofo, agosebe, adon gbeda, chonana ou dasina, peto. Mine coumi de moto mia de gbeda. Alpha Plomega mia d'Aquena. Gomme j'ai pleno, pemawe nanye, et n'a pas que le vieux le considame. Et gaula, pere kaya. Ye neganomia domaine de que fia la tito ganti abeto l'india les mecs nega venir nous voir faute là nous soyons le vieux aussi après d'abord ça et oliao a jogbeo a pas mieux chauva et mieux le coup de mena co katanchi mais was donne la pomme le Christ open comme abeto nuit le mec bena nunana abeto ne di vieux onti mais considérez comme mia dit là nyo mia dogo le Christ open comme amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aola. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maoune yirao. Dieu te bénisse. Hallelujah. Amen. Nous allons aborder la phase importante. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons commencé le programme depuis vendredi. Et hier, nous étions dans le programme. Et cette matinée, dans ce camp spécialement, ce serait l'apothéose. Et le soir, nous allons suivre le reste du programme sur les antennes de la radio JBA. Je pense qu'en ce programme de la résurrection, amen, amen,
de changements viendront dans nos vies. Et donc cette matinée, Dieu va passer par son serviteur. Celui qu'il a un responsabilisé dans le monde, nous voulons nommer Subola, le serviteur Noumovi Doji. Doji. Paul. Paul. Et quand il se lève, acclame très fort Jésus-Christ. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Très fort. Des acclamations bien nourries. Praise the Lord. Mais praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh!
Alors, qui sont ceux-là qui sont contents ce matin? Nous sommes nombreux. Praise the Lord. Alléluia. Primo, ce matin, je rends une grande action de grâce à Dieu. Mon deuxième remerciement va encore à l'endroit de Dieu pour la vie de mon épouse, mes enfants, ma famille et tous les ouvriers et ouvrières de ce camp de prière. Alors, troisièmement, par le biais de Jésus-Christ, je remercie le Seigneur pour la vie
et des pasteurs missionnaires qui travaillent en collaboration avec nous. Je remercie également le Seigneur pour la vie des différents comités qui nous assistent dans le ministère. De même, vous tous qui avez votre pied présent dans ce camp, je remercie le Seigneur pour votre vie. Je vous souhaite tous présents dans ce camp ici comme en direct une joyeuse Pâque. Alors, ce matin, nous sommes jolis et nickel. C'est tout comme nous sommes déjà au paradis. Amen, amen. Et nous comptons avoir cette grâce plus tard un jour et nous allons tous nous retrouver auprès de notre Père Céleste. Je transmets également. Alors, en ce jour de culte pascal, et je souhaite également joyeuse Pâque à tous les chefs d'État du monde entier que le Seigneur a placés à la tête de chaque nation. Ce matin, recevez votre vœu ou bien les joyeuses fêtes pascales émanant de votre serviteur Paul Dodji Numovi. Alors, je ne mets pas en marge les ministres, les préfets, les députés, les maires, les gouverneurs, les sénateurs, toute autorité à divers niveaux, par le biais de Jésus-Christ ce matin, je vous souhaite joyeuse Pâque. Alors, je voudrais rappeler à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde entier, qui sont des chrétiens, qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et nous sommes en train de célébrer la fête de sa résurrection. Alors, à qui sont ceux-là qui ont obtenu cette ou ce salut? Alors, le salut parvient à tout le monde. Le salut parvient à toute créature de Dieu. Et c'est pour cette raison même que ce matin, nous sommes contents. Alors vous allez voir, lorsque nous étions en train de faire l'adoration, notre doyen, notre papa retraité, Lemo, lui, il s'est mis à genoux. Parce que, voilà, nous voici un an, jour pour jour, alors, il voyageait sur Atakpame et chemin faisant, il a été victime d'un accident grave. La voiture était totalement brisée. Par la grâce de Dieu, on n'a pas pu récupérer cette voiture. Alors, la voiture a été vendue à ceux-là qui achètent les fers de recyclage. Mais le papa est encore vivant. Alléluia. Amen. Yeah. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
Alors, quelqu'un qui est déjà admis à la retraite et malgré son âge, le Seigneur l'a soutenu, il est encore solide et vigoureux. Alors, si Dieu fait du bien à quelqu'un, il faut remercier le Seigneur pour la vie de la personne. Alors, il ne passe pas, et disons, des produits pour noircir ses cheveux. Mais ses cheveux ne sont jamais blancs. Parce que Dieu lui a fait grâce. Amen. Que Dieu nous contamine de son onction. L'onction de la bonne santé. L'onction de la longévité. Et quel que soit ton âge avancé, tu seras encore solide et vigoureux. Oh, amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ovationnons le Seigneur Jésus pour la vie de l'ex-président de l'église de Pentecôte de la foi du Bénin. Alors, quand il m'avait appelé qu'il serait là ici afin de célébrer la Pâque avec nous, je lui ai dit que le jour de l'apothéose, qui serait le dimanche, nous serons en tenue blanche. C'est pour cela que ce matin déjà, lui-même et son épouse sont aussi en tenue blanche. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Oh, amen. Amen. Ta megale don kwe jibena. Je suis en train de rappeler encore. Enye dijonami katabe mi lagbe. Et c'est une grande joie pour nous tous ici parce que nous sommes encore vivants. Et nous avons vu ce jour pascal. Et j'ai eu à commenter un peu cette fête depuis le vendredi matin. Alors pour ceux-là qui n'avaient pas pu entamer le programme avec nous le vendredi matin, alors nous avions lu dans Exode chapitre 12 verset 1er à 7 et nous avions parlé de la façon dont cette fête a été instituée et la façon dont Dieu avait délivré les enfants d'Israël de la terre de servitude. Et c'est ce qui a fait même le peuple de Dieu qu'il a aimé et lui-même l'a choisi. Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Amen. Alors, le Seigneur avait délivré ses enfants de la servitude. Les enfants d'Israël qui vivaient en Égypte et sont livrés aux corvées. Mais le Seigneur s'est levé un jour et il les a délivrés. Pendant qu'ils tuaient des agneaux qu'ils devaient consommer le même jour, chacun dans sa chambre. Et le Seigneur a demandé à ce qu'ils se servent du sang de l'agneau afin de faire des signes sur leurs poteaux et les deux linteaux. Et lorsqu'il enverra l'esprit de la mort passer par l'Égypte, ces enfants qui sont les enfants d'Israël leur seront épargnés de cette mort. Et c'est cette fête-là qu'on appelle la Pâque. Oh, amen. Amen. Eh ouais, bena. Maou, choc de Israël, le Égypte. Alors Dieu par cela a délivré les enfants d'Israël en Égypte et de l'esclavage. Et Dieu a recommandé que cette fête-là soit célébrée annuellement. Alors la fête pascale était célébrée avant la naissance de Jésus-Christ.
Parce que tu as remarqué finalement qu'il n'est plus question de tuer des béliers, des brebis, des chèvres chaque année. Et Dieu nous a témoigné un amour particulier aujourd'hui à nous qui existons dans ce monde-là, plus que nos prédécesseurs, et il n'est plus question de sacrifier des béliers et des brebis. Et c'est pour cela même que l'évangile selon Jean chapitre 3 verset 16 déclare: ainsi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Il n'est plus question de sacrifice de bélier pour toi et moi, mais le Fils unique de Dieu, c'est lui qui a été sacrifié pour nous. Amen. Si Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique se sacrifier pour notre cause, aujourd'hui, les personnes nanties allaient acheter des bœufs, ceux-là qui sont moins nantis allaient acheter des brebis, des chèvres, des pigeons, selon la capacité financière de chacun d'entre nous. Et ce sont ces animaux-là qui seraient même immolés pour sacrifier au Seigneur, afin que le Seigneur puisse encore nouer une nouvelle alliance avec son peuple. Mais par la grâce de Dieu, tel n'est plus le cas aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, a livré sa vie en sacrifice pour nous. Raison pour laquelle nous sommes réunis ici ce matin afin de célébrer cette résurrection de Jésus-Christ. Pour cela, je voudrais rappeler à tous les élus et à tous les hommes chers à Dieu, ce matin déjà, amen. Nous, enfants de Dieu, nous sommes devenus des vainqueurs. Maintenant, Jésus est mort pour nous. Jésus est mort et le troisième jour il est ressuscité. Alors dans le passé, c'est la fête de sabbat qui est célébrée et les gens se réjouissaient de ce jour. Alors c'est Jésus qui est venu briser l'alliance de sabbat lors de sa mort et sa résurrection. Et c'est pour cela même qu'il y a les cultes un peu partout les dimanches. Nous allons lire ce matin dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 1er jusqu'à la fin du 6e. 28. Matthieu, pas balé, et ta blave vont enni, Matthieu 28, verset 1er à 6. Nous lisons: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais
L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Mm-hmm. Il est ressuscité. Amen. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Oh, amen. Amen. Matthieu Père Agbalé et Tabla Bovo et Ni Poukouba Vassere Ene. Quel est Kwasira? Quel est Kéke Sidje? Kwasira? Ta flachi. Quel est Kéke Sidje? Sabat Yome. Signé Kwasira Père Kéke Bantola. Bantope Ndi Kanyala. Maria Magdala Tokple Maria Keme. La Ova Yodo La Pogera. Eye Pora. Aniba Vuvu Mouto. La Bena. Après la dit Cho Jipo, Vamli, Pela, da le Yodolanu, Eye, Obobono, Edi, Eye, Epe, Pomme, le Abe, Dike Jo, Ene, Eye, Epe, Awu, Futiti, Abe, Sino, Ene, Ke, Jolao, Jo, Nyanyanya, Eye, Ozu, Abe, Amekukuo, Ene, le. Le ngosi o jina wo la uchi. Amen. Baure. Wasere kwikwi amade. Kwikwi ma okay. Kwikwi atombe. Aye. Mau dolala blona. Nyonwa wo bena. Miawola mi gavon o. Ela bena. Menya bena Yesu, menya be Yesu. Amesi wo clade atimuti la dim nyele male apicia o elabena etitre abe alesi wo blodi ene miteva bo apici o chwe mle do lada. Amen. Amen. Oh, amen. Alleluia. Amen. Obe le kosira sike obe kelenkeke sije sabate yome sike nye kosira elabena tsala osubona le sabate sinye memeragbe eye le sabate megbe ye tawo gbobena nkeke sije sabate yome elabe odu sabate vo yebe kosira ndi ye nyonwa o ofobe yoyi avec bon Yesu bentilale ala dome. Auparavant, on célébrait la fête de sabbat les samedis. C'est après cela que cette fête est ramenée sur le dimanche. Raison pour laquelle, ici dans ce passage, il est dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, aye, on va mebena, Yesu be, yebenu solawa, aussi be. Alors, les disciples de Jésus s'étaient cachés. Aye, nyonu, adeo. Maria, dada Maria, alors, certaines femmes ajoutées à la sœur Marie et sont allées afin de voir le corps de Jésus dans son sépulcre afin de l'embaumer. Mais les apôtres de Jésus en personne se sont cachés. Alors, les gardes étaient autour de la tombe. Mais les femmes n'avaient pas peur comme quoi, dès qu'elles seront là-bas, elles seront chassées par les gardes. Mais les femmes avaient un courage. Qu'elles iront afin d'embaumer le corps de Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés ou qu'elles sont arrivées à l'aube là, elles ont remarqué que le sépulcre de Jésus était ouvert. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Un ange de Dieu est descendu et a roulé la pierre. Et donc, seul coup, Jésus est sorti du sépulcre. La Bible déclare, Jésus, lorsqu'il est sorti de son sépulcre, les femmes qui étaient venues ne l'avaient pas vu.
Mais dans le livre de Jean, quand je lisais de cette histoire hier, il est expliqué là-bas que les femmes ne l'avaient pas vu dans la tombe, mais l'ont plutôt vu dans le cimetière. Et ces femmes pleuraient. La Bible déclare que Jésus s'est avancé vers une femme et l'interrogeait. Pourquoi pleures-tu? Et la femme répondait à Jésus, mon maître a été enlevé. Je suis allé dans le sépulcre sans le retrouver. Et la Bible déclare que la femme croyait que c'est l'un des gardes du sépulcre ou du cimetière. Mais il n'était pas question de cette personne. C'était Jésus en personne qui discutait avec cette femme. Et Jésus dit à la femme, si c'est Jésus, celui qui a été crucifié à la croix, que vous cherchez maintenant, mais il n'est plus ici. Que bon, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Mais dans le livre de Matthieu, il est dit qu'il y a certains anges de Dieu dans le sépulcre de Jésus. L'un était au niveau de ses pieds et l'autre au niveau de sa tête. Dans le sépulcre où Jésus était couché. Et ce sont les anges là que ces femmes ont vu dans le sépulcre. Selon d'autres explications. Et elle demandait, qui sont ceux-là qui sont dans le sépulcre? Et où est donc le Seigneur? Et vous êtes à sa place. Parce que le sépulcre était déjà ouvert. Quand les Juifs enterrent morts, alors selon chaque tradition juive, alors, ou bien selon chaque localité d'Israël, il y en a qui enterrent avec le cercueil. Et c'est pour cette raison même que le jeune homme de Naïm qui était mort était mis dans le cercueil. Mais quant à Lazare, après sa mort, il a été enterré dans le sépulcre taillé. Le quartier où Jésus a été enterré, les habitants de ce quartier aussi enterrent sans cercueil. Ils vont envelopper le mort dans leur seuil blanc et le mettre dans son sépulcre taillé et fermer le sépulcre par une pierre. Alors ce qui se passe ici, ce n'est quelqu'un d'autre qui est venu relater ce fait à Matthieu. Matthieu faisait partie des disciples de Jésus. Malgré qu'il n'était pas au niveau du sépulcre le jour là en même temps, lorsque le scénario a lieu et ils se sont précipités au lieu, ils ont vu en réalité que le Seigneur Jésus, la terre avait tremblé. Écoutez cette grande parole. La Bible déclare que les gardes qui gardaient le sépulcre, lorsque la terre a tremblé, lorsque Jésus allait ressusciter, la Bible déclare qu'ils se sont retrouvés au sol. C'est ce que la Bible a dit, qu'ils s'étaient évanouis comme des morts. Parce qu'ils n'étaient plus conscients. Lorsque Jésus, le Seigneur, est sorti de son sépulcre, il est ressuscité d'une puissance extraordinaire. Que quelqu'un reçoive la puissance de résurrection. Si tu es ici, et les gens pensent que c'est fini pour toi, je déclare une parole. Si Jésus n'avait pas péri dans la tombe, toi aussi tu es délivré de la tombe. Je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté. Hallelujah. Amen.
Écoutez cette parole. Les gardes qui gardaient le sépulcre de Jésus étaient au sol. Comme des morts. Parce que alors, c'est pour rien et vain qu'il gardait le sépulcre de Jésus. Et c'est pour cela même qu'un cantique ancien dit: c'est pour rien que les gardes ont gardé le sépulcre. Annoncer ses œuvres miraculeuses. Les gardes ont gardé le sépulcre. C'est vrai que les soldats gardaient le sépulcre de Jésus. Lors de sa résurrection, les soldats n'avaient plus rien compris. Alléluia. De la même manière, le jour où le Seigneur va décider d'accorder la promotion, de lever, tes ennemis ne comprendront plus rien. Jésus, qui a été dans le sépulcre et qui n'a pas péri dedans, et il est sorti avec un pouvoir, une puissance extraordinaire. Alléluia. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus était sorti de son sépulcre, il est sorti dans un embellissement donné, dans un éclair donné. Il n'a pas été dans le sépulcre dans un manteau, mais lors de sa résurrection, il est sorti dans un manteau éclairé. Et il n'y a pas de lieu où on vend des vêtements dans le séjour des morts. Il n'a pas été au séjour des morts avec un manteau. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir le linceul avec lequel son visage a été bandé, ses pieds, tout son corps a été bandé. La Bible déclare, lorsqu'il sortait du sépulcre, il est sorti avec un nouvel vêtement. Je crois fort qu'aujourd'hui, tu es sorti dans une victoire donnée. C'est-à-dire que tu ne périras pas dans ta souffrance. Ici, c'est un temps de prière. Et après la parole de Dieu ce matin, nous allons déclencher la prière. Et jusqu'à la fin de la prière, le Seigneur va te lever. Veuillez vous asseoir. Dieu va t'accorder la victoire. Je ne t'ai pas écouté.
Je ne t'ai pas écouté. Hallelujah. Amen. Manager. Quelque chose avait lieu le jour-là. Nous si Joa. Ce qui avait lieu. Monsieur. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Yesu apeto là. Jésus le Seigneur. Celui-là qui est fidèle et loyal. Et titré. Il est ressuscité. La terre avait tremblé, il est sorti de son sépulcre. La mort ayant observé cette personne s'est dit, on ne peut jamais garder cet homme-là au séjour des morts ici. Le commandé de nous, l'apôtre Paul, va faire nous globéna. Et il chope, il va dégbefana, mais coucou, il y a un catame, il y a un dit cela. Il chope, il va dégbefana, quelque temps. Elle avait fait le cas, l'enquête de Kalema ou Bola, et il y a fait appel de cas. Alors, selon certains enseignements de l'apôtre Paul, il est dit que lorsque le Seigneur a été au séjour des morts, durant 3 jours, il a prêché l'évangile à ceux-là qui sont au séjour des morts. Et plusieurs ont cru en lui. Et la Bible déclare, un seul jour chez Dieu est 1000 ans auprès des hommes. Même au séjour des morts. Il a encore apporté l'évangile dans certains commentaires. Ils disent selon eux, amen. Déclarer amen. Lorsqu'il est ressuscité avec un nouvel vêtement, et c'est pour cette raison-là que nous sommes baptisés par immersion. Que nous sommes morts avec Jésus. Quand on veut t'immerger dans l'eau lors du baptême, on dit nous sommes morts avec Jésus. Et nous sommes également ressuscités avec lui. Amen. L'ancien homme, l'ancienne identité est partie et dorénavant nous sommes renouvelés avec Christ Jésus. Je vous parle de la puissance de la résurrection avec laquelle Jésus a été ressuscité. La Bible déclare qu'il est ressuscité. Alors, le vêtement dans lequel il est ressuscité, ce vêtement brillait et dégageait des éclairs. Et c'est en cela qu'il est ressuscité. Les gens ont commencé par le chercher. Mais où allons-nous le retrouver? Où allons-nous le retrouver donc? Les disciples ont été informés que nous sommes allés le chercher, on ne l'a pas retrouvé. Mais où est-il donc? Pierre et les autres ont décidé d'aller voir ce qui s'est passé dans le sépulcre. Alors, Jésus était cher pour eux comme ça. Et lorsqu'il est mort et on l'a enterré, ils ne sont pas allés le chercher. Voir. Vous voyez? Mais c'était question de peur. Alors je vous avais expliqué ici hier que s'ils ont l'audace de sortir leur tête, ils seront arrêtés et tués ou exécutés. Pour cela, ils n'avaient pas eu l'audace de sortir leur tête. Mais au finish, ils sont allés au bord du sépulcre de Jésus. Ils ont regardé dans le sépulcre. Alléluia. Il n'avait plus vu Jésus dans le sépulcre. Amen. Là où les ennemis t'ont placé, ils reviendront te chercher là-bas. Ils ne te verront plus. Alors, l'homme traverse des souffrances, des difficultés avant d'intégrer sa gloire. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui traverse des périodes de souffrance, sache qu'après les périodes de souffrance, amen, la joie et la gloire viennent. Aujourd'hui, tes douleurs et amertumes, tes persécutions,
tes problèmes de maladie, tes fardeaux de dette, ton problème de célibat, tes difficultés de stérilité. Quoi que tu traverses, tout ce que je viens de citer et ce que je n'ai pas cité, si Jésus est sorti de son sépulcre, amen. Je déclare ce matin que toi aussi, tu sortiras de tes souffrances. La Bible déclare que la terre trembla et le sépulcre s'ouvrit. Et auprès des Juifs, eux-mêmes ont commencé par témoigner que celui-ci est réellement fils de Dieu. Les Juifs trembla le sépulcre. Jésus, mais malheureusement ne l'ont plus retrouvé dans sa tombe. Et ils sont repartis à la maison. On a commencé par les interroger. Où étiez-vous? Et il est sorti de son sépulcre. Et ils ont dit, mais ce qui s'est passé là-bas, depuis notre naissance, on n'a jamais vécu de tel événement. Alors, nous étions là, autour du sépulcre. Nous étions dans le cimetière. Nous étions dans le cimetière. La terre trembla. Et le sépulcre s'ouvrit. Et nous ne savions plus l'état dans lequel nous étions. Nous avons repris conscience plus tard. Quand nous l'avons recherché dans son sépulcre, malheureusement, nous le rechercherons en vain. Soyez-vous humblement. Nous n'avions plus retrouvé son corps dans la tombe. Ils ne pourront plus le retrouver dans la tombe. Selon eux, ils disent qu'il est en train de mentir, que le troisième jour, il serait ressuscité. Alors, les sacrificateurs ont demandé à ce qu'il soit encerclé par des soldats. Mais ils ont suivi réellement la chose. Amen.
Ce que les méchants ne veulent pas voir dans ta vie, ils le verront et le verront encore. Yes, Dogo. Jésus était sorti de sa tombe. Il a pris le chemin de la Galilée. Le Johannes B. Agbalike Mekhlenya le Gbogbobena. Et Meke Maria. Et que me avale Kwebe. Et Yela. Et Yajibe Yabbe Nyawema. Et Behe. Alors, lorsqu'il a pris le chemin de la Galilée, selon le livre de Jean que j'ai lu, l'autre Marie voulait le toucher afin de voir si c'est réellement lui. Mais Jésus lui a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ok, lorsqu'il était encore au cimetière avant son départ pour la Galilée, c'est en ce moment que l'autre Marie voulait le toucher et il lui a dit qu'il n'est pas encore allé vers le Père. Parce que alors les gens pensaient que c'était l'un des gardes cimetières. Mais c'était Jésus en personne qui était dans le cimetière. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Président Okou. Les chefs d'État sont morts. Ministre Gaoku. Les ministres influents sont morts. Les grands soldats, les généraux sont morts. Et Gato Gaoku. Les personnes nantis sont morts. Maouba Mega Gaoku. Les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu influents sont morts. Et comme tu te aucun d'eux n'est jamais ressuscité. Yo galakbe, kakanafifio. Et qui vivent encore jusqu'ici aujourd'hui. Si le jour-là n'est pas un jour de vérité ou réel, on n'allait pas l'instituer pour le monde entier. Nous célébrons parce que la fête de la résurrection de Jésus-Christ, la fête de la Pâque a tellement de la valeur, de l'influence sur le monde entier. Après l'avoir célébré le dimanche, le lundi est décrété comme un lundi pascal et personne n'ira au service. Vous allez voir qu'une valeur a été accordée à cette Pâque. Que nul ne vous trompe. Qu'on vous a séduit. Si cela n'était pas réel, ce ne serait pas une institution pour le monde entier. Le monde reconnaît cette fête. L'unique chose à quoi le monde méconnaît, plusieurs continuent par sacrifier des bêtes. Alors qu'il y a un sacrifice unique en son genre qui a été fait en notre faveur. Pour tous ceux-là qui vivent encore dans des ténèbres sur la planète Terre, cela n'est pas votre erreur ou faute. Mais la voix de celui qui annonce l'évangile dit, je m'en vais vous dire, Jésus est mort pour nous tous. Il a versé son sang pour nous tous. Il s'est sacrifié pour nous tous. Afin que nous tous nous sortions de l'esclavage satanique. Tels que les enfants d'Israël étaient délivrés de l'esclavage en Égypte. Pour que nous ne tuions plus des canards, des chiots. Tuer encore un bélier. Tuer encore des pintades. Avant notre salut. Parce que Jésus est mort pour notre cause. Alors après sa résurrection, si vous lisez l'évangile selon Marc chapitre 17, chapitre 16, autant pour moi. Alors, selon Marc chapitre 16, la Bible déclare que les soldats qui gardaient la tombe de Jésus, on les avait convoqués. Et on leur a donné de l'argent.
chapitre 16 arrivé à la maison, patientez-vous et lisez l'évangile selon Marc chapitre 16 du début jusqu'à la fin et vous allez découvrir cette histoire là-bas. On leur a donné de l'argent pour les corrompre de ne pas annoncer sa résurrection. Ce sont les soldats qui étaient au cimetière au bord de la tombe de Jésus. On leur a donné de l'argent pour les corrompre. La corruption financière a débuté depuis les temps passés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, corrompre quelqu'un financièrement faux témoin. Pour que tu deviennes un faux témoin. Pour l'intérêt sale de certains, cela a commencé depuis la nuit des temps. Les soldats ont bien sûr pris, ont pris l'argent qu'on leur a donné. Mais qu'est-ce qu'ils diront maintenant à ceux-là qui ont voulu les corrompre? Parce que Jésus, il est déjà ressuscité et se trouve dans la ville. Voilà, si les soldats se mettent à mentir qu'il n'est pas ressuscité, les faits se font voir avec les yeux, les gens vont les démentir. Alléluia. Alors c'est pour cela qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il n'est pas directement monté au ciel vers son Père, mais il a encore passé 40 jours sur la terre, et c'est après les 40 jours qu'il est monté au ciel, dans l'intention de se montrer aux gens pour dire, me voici, je suis réellement ressuscité. Après ton départ, toi aussi. Amen. Tout cela qui raconte un peu partout que c'est fini pour toi, tu iras se présenter à eux que c'est moi celui dont vous parlez. Alléluia. Amen. Il y avait eu une grande joie à Jérusalem. Une grande joie à ceux qui aiment Jésus. Alors, les détracteurs qui sont allés dire à Ponce Pilate qu'il forgeait des mensonges, qu'il sera ressuscité après sa mort. Alors, allez-y encercler son sépulcre par des soldats. Alors, ils étaient dans la ville et ils entendaient des cris. Alors, que se passe-t-il donc? On leur disait que c'est la résurrection de Jésus. Amen. Tes ennemis entendront les cris de ta joie dans leur contrée. Ils sont... Amen. Ils ont dans leur pensée ta destruction et ta mort, ta ruine. Mais ce matin, je te déclare, toi, tu réussiras et tu réussiras davantage. J'ai dit quelque chose que l'enfant ressemble à son père. Si je suis réellement enfant de Jésus, si toi aussi tu l'es réellement, si Jésus n'avait pas péri dans sa souffrance, amen. Toi et moi, nous sortirons de façon aisée de nos souffrances. Pourquoi? Cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts. Parce qu'il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Parce que c'est ce qu'il avait prédit pendant longtemps. Pour cela, je voudrais dire à tout enfant de Dieu, amen, notre victoire a été garantie d'ores et déjà. Amen. Il y a 2023 ans que Jésus-Christ nous a garanti cette victoire.
Je vais vous déclarer une parole pour boucler. Alors, quand nous nous réjouissons comme ça, Vous êtes fâché contre moi. Dites à plus fort. Amen. Alors, pendant que nous sommes réunis ici, en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens de notre village, les gens de notre quartier, les cohabitants, certains de ces gens-là sont en train de sacrifier encore des bêtes actuellement. Mais la parole de Dieu nous dit d'aller afin d'annoncer l'évangile à ceux-là qui ne l'ont pas encore connu. Pour cela, je vous confie cette tâche. Arrivez dans vos maisons, arrivez dans vos demeures respectives jusqu'à la fin de l'année, que ce ne serait-ce une âme par toi vienne au Seigneur Jésus-Christ. Au moins jusqu'à la fin de l'année, fais tout et tout que par ton bien, quelqu'un reconnaisse que Jésus nous a accompli une œuvre. Et Jésus nous a accompli une œuvre salvatrice. La jalousie qui m'anime moi, amen, c'est que toutes les âmes sur la planète Terre aient leur salut. Alors que toute personne dans le monde entier, quel que soit le poids, la lourdeur de leur péché, que Jésus leur pardonne ses péchés, afin qu'ils appartiennent désormais au Seigneur Jésus. Parce que c'est pour les pécheurs que Jésus-Christ est venu mourir. Cela ne veut pas dire que nous qui connaissons déjà Dieu, nous allons encore nous coucher et nous embourber dans le péché. Nous, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes saints. Raison pour laquelle nous sommes habillés ce matin à l'instar des saints célestes. Vous voyez comment vous êtes jolis ce matin. Vous êtes tellement jolis comme des anges célestes. Parce que nous sommes sauvés. Si ce n'était pas Jésus, tu serais dans un pagne noir. Ok, tu serais dans un linceul blanc. Il y a certains linceuls qu'on porte, on noue la poitrine avec et on met des fois même aussi les pagnes rouges là-dessus. Et tu vas voir que la moitié de ta tête serait coiffée. Et on va te coiffer sur la moitié de ta tête. Et on va te scarifier sur tout ton corps avec des lames. Amen. Mais regardez ce matin, par le biais de Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes jolis et nickel. Regarde comment tu es joli ce matin. Tu es comme les anges de Dieu. Dites amen. Alors, si j'appelle Alors,
Amen. Jésus nous a sauvés aujourd'hui. Jésus nous a sauvés aujourd'hui. Si ce n'était pas l'arrivée de Jésus, je disais que toi aussi, peut-être tu ne serais pas joli comme ça aujourd'hui. C'est Jésus qui m'a renouvelé comme ça. C'est Jésus qui nous a renouvelés tous. Lève-toi, déclare Jésus merci. Déclare Jésus, fils de Dieu, merci. Troisième fois, Jésus, fils de Dieu, merci. Maintenant, nous allons déclencher la prière. On dit la terre trembla. Un ange avait roulé la pierre. Le sépulcre s'ouvrit. La terre va trembler maintenant même. Spirituellement, les pieds qui sont enfouis dans la terre vont sortir tout de suite. Amen. Déclare Amen. Déclare Éternel. C'est toi le Dieu jadis. Et ton fils unique que tu as sacrifié pour notre cause n'a pas péri dans le sépulcre. La Bible déclare que la terre trembla. Et Jésus est sorti de sa tombe. Maintenant, dans le monde spirituel, tous mes biens qui sont enterrés, que la terre tremble maintenant même. Maintenant et tout de suite, amen. Nous sommes tout ce qui constitue mes richesses, ma vie. Jésus-Christ, les méchants l'ont enterré. Mais il est ressuscité. Toi aussi, tu sortiras du lieu où tu es enterré. Mondolo Bosaika. Shabababarababa. Rakatakabayaka. Mondolo Bosabaya. Brokandere bebe. Randabaitarabaya. Sundere bebe katayaka. Makotoro Bosaba. Mazeria katata. Mazobababa. Maskoro bebori lele. Surabababa. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Alors nous allons prier pour quelques minutes seulement. Mais dis au Seigneur, ma vie ne sera plus la même. Répète-le plus fort. Traverser des épreuves incessantes. Si toi Jésus tu n'avais pas péri dans la tombe, moi aussi je ne périrai pas dans mes épreuves. Pour cela délivre-moi maintenant. Mando kambarabai. Éternel, tout ce que je traverse dans le monde spirituel et physique, il y a plusieurs années déjà. Il y a plusieurs mois déjà. Éternel Dieu, toutes les épreuves, les épreuves spirituelles et physiques, éternel, délivre-moi maintenant. Tout ce que je traverse, si Jésus n'avait pas péri dans la tombe, cette mort, la mort vient des complots des sorciers contre l'homme. Alors quoi qu'il s'agit, dans le monde spirituel et physique, éternel, nous brisons ces complots, nous les détruisons, nous les
réprimandons maintenant. Mais Yesu peut comme le nom de Jésus. Ce blanc on est pas. Que les complots s'abrisent. Ce blanc on est caca. Que les complots s'abrisent. Qui pile là maintenant même. Maracataya. Amen. Je suis fier de vous. Et je sais aussi que Dieu sera fier de vous. Écoutez. Si Jésus était ressuscité et le linge blanc de quoi il a été enveloppé, le linge par lequel son visage était bandé, sont enlevés et il est sorti avec un nouvel vêtement, toi aussi tu sortiras de tes difficultés. Pour cela, je voudrais qu'on prie afin de résister contre la mort. Nous allons bien sûr mourir un jour plus tard. Mais la mort prématurée. Écoutez. La mort prématurée. Jésus-Christ. Alors. Qu'il te délivre de cette mort prématurée. Pour cela, déclare, Sauveur Jésus, si tu as réellement vaincu la mort, la mort n'a pas pu te vaincre. Toute mort planifiée contre moi dans le monde spirituel et physique, Jésus combat et accorde-moi la victoire. Qu'il combat et qu'il te vainque la mort. Yes, ne du coup. Que Jésus vainque la mort. Chaka braka taka. Chaka taka braya. Chaka taka braya. Yesu Christo. Jésus Christ. Yesu Christo. Jésus Christ. Ne du coup. Qu'il te vainque la mort. Pipila. Maintenant même. Yesu Christo. Jésus Christ. Ne du coup. Qu'il vainque la mort. Yesu Christo. Jésus-Christ, ne nous coûte qu'il vainque la mort. Fipila, maintenant, Jésus-Christ, Jésus-Christ, ne nous coûte qu'il vainque la mort. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ne nous coûte qu'il vainque la mort. Fipila, maintenant même, et tout de siade, tout en sortant de mort. L'esprit de Dieu ne nous coûte la mort. Il vainque la mort dans ta vie. Le Jésus-Christ, le nom de Jésus. Dites-moi, amen. Dites-moi Amen. Répétez une deuxième fois Amen. La Bible déclare qu'il est sorti de la tombe d'un nouvel vêtement. Amen. Aujourd'hui même, que Dieu renouvelle ta vie. Si le linceul blanc dont le corps de Jésus a été enveloppé s'est enlevé de son corps lorsqu'il sortait de sa tombe, à partir de ce matin, les manteaux de diffamation, les manteaux de déshonneur, les manteaux de maladie, les manteaux de chômage, les manteaux de la mort prématurée, les manteaux de honte, que ces manteaux soient enlevés de ta vie. Pour cela, lève tes deux mains maintenant et tout de suite. La puissance de Dieu qui avait tremblé la terre dans les vieux temps. Et les sépulcres s'ouvrirent. Et les soldats s'étaient évanouis au sol. La Bible déclare qu'ils étaient comme des morts au bord de la tombe de Jésus. Dans un clin d'œil maintenant. Amen. Cette même gloire va descendre.
Cette même gloire va descendre. Pour cela, maintenant et tout de suite, recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Que la mort plie bagage de ta vie. Que les maladies plient bagage de ta vie. La pauvreté. Elle plie bagage de ta vie. Les malédictions. Elle plie bagage de ta vie. Le chômage, la recession, les endettements, la main-vente, les chèques de l'agriculture. Je déclare que ce lieu est un camp de prière. Nous clôturons toujours le culte avec des prières puissantes. Aujourd'hui même, que ton histoire change. Que la pauvreté quitte ta vie maintenant. Que la souffrance quitte ta vie. Que les fardeaux de dette s'en aillent de votre vie. Que le célibat plie bagage maintenant même. Que la terre s'ouvre et qu'elle engloutisse tes ennemis. Tes ennemis seront évanouis au sol. Que leur complot soit disloqué, brisé. Reçois la longévité pour portion. Partout tu passeras dans le monde. Tu es devenu une personne renouvelée. Reçois la guérison maintenant même. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Que les maladies s'en aillent. Que la mort s'en aille. Et que les malédictions s'en aillent. Que le célibat s'en aille. Que le chômage s'en aille. Que le chèque de l'agriculture et de l'élevage s'en aille. Que les cauchemars soient vaincus par Jésus ce matin. En ce jour de la résurrection, tu as vaincu ce matin. Tous les étudiants et les élèves, que cette année vous soit une année de réussite. Je demande la paix pour le monde. Je confie tous les chefs d'État entre les mains de Dieu. De même, les ministres, les députés et les préfets. Les maires. Je confie les gouverneurs entre les mains de Dieu. Je confie tous les soldats selon leur grade entre les mains de Dieu. Les ambassadeurs dans chaque pays dans le monde entier. Éternel Dieu, je te rappelle ce matin les rois et les chefs traditionnels du monde entier, les soldats qui sont actuellement en mission, tous les serviteurs de Dieu, tout cela qui rend le service dans la vérité. Alors ceux qui rendent le service de par le monde entier, veillent sur eux, leurs épouses et leurs enfants. Je demande la paix et rien que la paix pour le monde. Les pays belligérants où il y a la guerre, les pays où il y a des effusions de sang, que la paix regagne ces pays. Père, accorde la victoire, accorde un changement dans la vie de tes enfants, et que par toi que nous ayons la paix et la quiétude. Nous demandons la paix et la cohésion sociale pour le Togo. Nous la demandons également pour toutes les régions du Togo. Nous arrêtons les crashs aériens, les naufrages des navires, accidents de voiture, accidents de moto, les incendies des entreprises et sociétés. Nos sœurs et frères qui sont à l'étranger, qu'ils soient prospères. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Amen.
Veuillons nous asseoir. Et dans ce camp ici, tous les dimanches, nous faisons l'offrande une seule fois seulement. Mais quant à ces événements particuliers, nous rendons une action de grâce digne de nom à Dieu. Et cette action de grâce-là n'est pas contraignante. Je vais évoluer avec ces annonces importantes avant qu'on amorce la phase de l'action de grâce. Alors pour tous ceux-là qui nous suivent comme assistance dans le temple ici et ceux-là qui nous suivent de loin de par le monde entier, je suis invité à Paris en France. Et je vais diriger un réveil spirituel là. Alors, le réveil aura lieu du 2 au 4 juin. Alors, tous ceux-là qui ont leurs proches, leurs membres de famille en Europe, Facebook, YouTube, page YouTube, TikTok, Blitokata, Miabe, Adressawa, Oleji, Kakapere Mianti, Nafike, Miele. Nous avions déjà posté la fiche publicitaire sur nos différents canaux de communication. Pour cela, vous pouvez les voir facilement. Aye, Magadon Kwejibe, Wetroya, Opem, Le Lome. Aye. Alors, je rappelle que ce soir, je suis invité pour une prière à Lomé et précisément à Dabada Kondji. Assemblée de Dieu, Hamele Togo, Bakle, Convention Baptiste, alors Baptiste Convention, Wawe Wadeka, Aye Okbim. Praise the Lord. Hallelujah. Dabara. Konji. Oh, amen. Amen. Yenye fima, aye fima ye okbemle. Aye ono gbefa demle media odi amere la bio sebe nyawe ma nyawe ela be sofure khode de fia ye baptisme ole ye okble va gbonye. Emi gane fiya majereka eye de fiya nye be wa dogbera de duyata ye nkeke yuang toji be wa o anye lundi de pak ye me daside jinao dake enu pe vivi se seta wo gava cho egbe we tro cho pe ye nye plomi do de kakekeke voa de ko me va dasinao. Praise the Lord. Hallelujah. Ye nkeke ve niawo le we tro ya ble eso be mia dogbera de du kwata abio maupe nguchi fafa nye mesegbe wola did amen minya nemi de bia yayira bi de bia yayira ne du kon me mefa wa yayira ya ma va olo amoto lo meva ne de vunya vunya le ola cholo meva ta nti fafa bio bio yala e ya nye nu nye no ji ndi wetro ta na mo se gome bo wa do gbera de edu tala on met pas nécessaire de nous faire venir non. Vous me dites maintenant ben là, y a un truc qui est mais on a donc kaka oué nous, y a mal donc brader du ata. Elle a ben au moins y a mal on y a grand là, nous on est grand mal on y a les deux mais n'importe quoi faire mais le voir, matin de l'ouvoir, matin de l'ouvoir. T'as flatté France ici mais les gars ils fifi là, ne vous n'y a vous n'y a tordi à magbater en France ça. Que dans les gars va voir mais chaque jour, y a un truc mal notre gouvernement grand là y a subi n'importe quoi faire en France, n'importe quoi faire en France.
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Dieu aime tout le monde. Que tous les pécheurs entendent. Dieu vous aime tous. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors Dieu aime toute la population mondiale. Même les pécheurs, Dieu les aime dans leurs péchés. C'est pourquoi quelqu'un a dit, il est mort pour moi à la croix. Amen. 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 Voilà, voici le moment de bisser la chanson. Prenez vos mouchoirs. Jésus Christ est titré. Est titré. Magadou. Akouvidaou. Sousalé. Voilà, faut danser avec ton don. Jésus Christ est titré, est titré, Magadou, et confie-toi. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia.
sous les mains au Seigneur Jésus. Vous venez à Jésus. C'est pour ta mère Jésus. Praise-le. Alléluia. Je te vois parmi les vainqueurs. Je te vois parmi les enfants de Dieu bénis. Allez-y dans cette victoire.